Salut le développeur, bienvenue dans un nouveau tutoriel de notre formation développeur Android et dans la deuxième partie de notre application Books App. Donc on a commencé une application qui tout simplement affiche une liste, comme ça, une liste de livres. C'est un recycler view. Donc la première partie, c'était de créer le recycler view et de créer l'adapteur pour cette recycler view. Et aussi, on a vu comment faire un filtre. Là, si je cherche par exemple avec Rich, je tape ici Rich et je clique sur ce bouton de search. Je vais trouver que ces deux livres-là qui contient Rich dans le titre. C'était ça la première partie. Donc si vous ne l'avez pas vu ou vous ne connaissez pas comment travailler sur le recycler view, je vous conseille d'aller la voir. Après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé une playlist PHP. On a commencé à prendre les bases de PHP pour pouvoir après créer notre propre web service. Parce que on a déjà avant travaillé sur les web services, comment appeler un web service externe avec Retrofit et récupérer les informations et les afficher et tout ça. C'était un web service qui retourne les informations météo. Donc, on a appelé l'application Weather App, mais vous m'avez demandé de créer un web service et de l'utiliser. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là et cette application-là. Et aussi, j'ai fait la playlist, enfin, j'ai créé la playlist pour apprendre PHP parce qu'on a développé un web service avec PHP. Donc, il y a une playlist, je pense, de 6 ou 7 vidéos. Si vous ne connaissez pas du tout PHP, vous pouvez commencer dès le début. Sinon, vous pouvez regarder les deux dernières vidéos. Là, on connecte l'application, on connecte le script à une base de données MySQL. Et après, on récupère les informations, on fait un select étoile de la base de données et on transforme le résultat retourné par la base de données en format JSON. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va consommer cette API-là. On va récupérer les informations-là à partir du web service qu'on a créé. Donc, on va consommer maintenant ce web service qu'on a créé dans la série PHP, dans cette application-là. En fait, le web service, il retourne une liste de livres. On va récupérer ces informations-là et on va les afficher dans ce Recycler View. Donc, je vais tout d'abord lancer mon serveur, puisque c'est un serveur local. Donc, je vais lancer mon serveur. Là, j'ai utilisé MIMP. Si vous êtes sur Windows, peut-être vous avez utilisé WAMP, peut-être vous avez utilisé XAMPP, peu importe. Donc, l'essentiel, que vous avez installé un serveur local, donc un Apache avec MySQL, etc. Après, vous lancez le script, parce que si on veut tester en local, on doit lancer le script, on doit avoir un serveur local fonctionnel. Donc là, c'est la page d'accueil de MIMP, mais moi, je vais aller sur localhost 8888. Moi, j'ai un port parce que j'ai deux serveurs locaux. Donc, pour faire la distinction, j'ai créé un port, mais vous n'êtes pas obligé de faire ça. Donc là, moi, je le fais juste pour pouvoir séparer mes tutos de mon travail. Donc, on a créé Library App, un dossier qui s'appelle Library App. Et dans ce library app, on a créé un script getbooks.php. Donc, ce getbooks.php, il va se connecter à la base de données qu'on a créée et il va récupérer les informations et les transformer en format JSON. Donc, c'est ça le résultat retourné par le web service qui s'appelle getbooks.php. C'est un script PHP. On va maintenant essayer de se connecter à ce web service-là. Donc, pour faire ça, on va utiliser Retrofit pour se connecter au web service et on va convertir les informations. On va convertir le JSON en Kotlin à l'aide de JSON, le converteur JSON. Donc, je vais commencer d'abord par ajouter les dépendances nécessaires. Donc, on va sur build.gradle, le module app là. Et ici, on va coller les dépendances. Dans la vidéo de l'application Meteo, j'ai expliqué en détail comment aller sur le site Retrofit et récupérer la dernière version et tout ça. Mais là, je vais avancer un peu. Je vais faire quelque chose un peu plus avancé que ce qu'on a fait dans l'application Weather App. C'est pour ça que je ne vais pas répéter tout ça. C'est juste vous tapez sur Google Retrofit et vous allez trouver la dernière version. Vous allez suivre la documentation. Donc là, j'ai ajouté Retrofit, la version 2.9.0 et le converteur JSON. Après, on va créer un package ici. On clique droite sur notre package principal, mais je vais créer aussi un autre package séparé. Je vais l'appeler Network. Comme ça, et dans ce network package là, je vais créer une interface. Je vais l'appeler Books Service. Comme ça, c'est une interface Kotlin. Donc là, je vais ajouter ici la fonction getBooks qui va interroger le web service. Par exemple, ce sera fin getBooks. Elle va rien prendre en paramètres, en filtre sur rien. On va prendre tous les livres, mais elle va retourner quoi? Elle va retourner une liste de books. Okay. Mais pour dire que c'est un résultat retrofit, il faut appeler call ici et résultat, ça sera un call de listbook parce que ça sera un call retrofit. Donc, je vais importer ça à l'entrée, comme ça, retrofit 2. Après, book, c'est notre data model. Donc, import, c'est notre data class là. Book, on l'a déjà créé. Okay. Après, là, on doit ajouter une annotation pour ce getbooks.
On va venir ici, on va ajouter une annotation get, puisque la requête qu'on va appeler, c'est une requête get. La méthode ici, c'est get, puisqu'on peut l'interroger à partir du navigateur, donc c'est sûrement get. Si c'était pas le cas, on peut pas l'appeler directement du navigateur. On doit utiliser quelques autres outils, par exemple, si c'était delete, ou bien post, ou bien put, ou bien patch, ou peu importe. Et là, on doit préciser l'URL. Ici, nous, qu'est-ce qu'on a? On a ça. On a ça, c'est notre URL. Je vais l'appeler comme ça. Par exemple, base URL. Après, je vais le modifier, mais pour le moment, on va dire que c'est ça notre base URL. Donc ça, c'est notre base URL jusqu'à là, c'est library app, c'est le dossier de notre application et tout ce qui vient et tout ce qui vient après, c'est l'URL qu'on va interroger. Donc ça peut être getBook, ça peut être getBook by ID, ça peut être supprimer book, ça peut être modifié, etc. Donc je vais juste enlever ça, bien sûr, déplacer ça, je vais le mettre par là. Donc à partir après quand on va appeler cette fonction-là, elle va concaténer le base URL avec getBooks. Okay? Après là je sais qu'il y a une erreur, mais je vais le laisser parce que de toute façon je vais pas le laisser dans box service. Je vais vous montrer qu'est-ce que je vais faire. Avant ce qu'on a fait, c'est que dans main activity ou bien dans l'activité principale, on a juste appelé retrofit directement, on a créé l'instance directement dans main activity, etc. Mais c'est pas vraiment la meilleure solution de faire. On doit plutôt créer un singleton. Qu'est-ce que c'est un singleton? Tout simplement, c'est un objet, object en Kotlin, en Java, c'est une classe, mais l'essentiel, qu'on a une seule instance de retrofit dans toute l'application, pour que ne pas à chaque fois on a besoin de faire un appel à un API ou bien un web service, on crée une nouvelle instance de retrofit. Pour faire ça en Kotlin, c'est très simple, on va créer juste un objet. On va créer un fichier Kotlin object. C'est pas une classe, c'est un objet. Je vais l'appeler retrofit instance, comme ça, et ça sera object. Je vais choisir object par là. Donc comme ça sera une seule instance, peu importe le nombre de fois qu'on appelle cette classe retrofit instance, elle va retourner la même instance de retrofit. On va pas le créer de nouveau à chaque fois, on va pas allouer de l'espace mémoire à chaque fois et instancier de nouveau à chaque fois. Et là, je vais prendre mon base URL, je vais le coller par là. Ok, donc ça, c'est notre base URL, ça sera un constval. Et là, je vais créer la variable. Une variable private val retrofit. Retrofit, elle va recevoir quoi? Elle va recevoir retrofit, comme ça, point, le builder, tout ce qu'on a fait l'autre fois. Donc, l'autre fois, on a fait ça, mais dans le main activity. Mais c'est pas le code final, ça, je vais le corriger après, mais je vais juste vous montrer comment le faire. On va préciser le base URL. Ce qui est notre base URL, c'est qu'il y a cette variable-là, ou bien cette instance, cette constante-là qu'on vient de créer. Je vais faire quelques retours à la ligne comme ça. Après, je vais ajouter un converter factory. Ça sera quoi le converter factory? Ça sera JSON pour notre cas, parce qu'on va convertir avec le JSON. Create. Donc, ça sera comme ça. Et à la fin, c'est, on va appeler build. Donc, Ctrl Shift L pour formater le code. Donc là, on a notre variable retrofit. Et là, on va créer une fonction. On va l'appeler build books service. Comme ça. Elle va tout simplement faire quoi? Elle va tout simplement retourner un books service. Comme ça sera retrofit.create et create quoi? Book service de point de classe.java. Tout ça, on l'a fait avant. On l'a déjà fait avant. C'est juste qu'on n'a pas créé une fonction dédiée pour ça. On a juste instancié directement retrofit et après on a appelé directement retrofit.create. Donc, ce qu'on a fait, si je veux résumer ce qu'on a fait avant, on a fait comme ça. Retrofit. Et après, on a fait ça. Quand je dis avant, je parle de la vidéo de l'application Weather App. Donc, avant, c'était comme ça. Normalement, on fait comme ça. On peut récupérer juste books service dans une variable. Et on peut faire ce qu'on veut. Après, on peut après appeler notre méthode getBooks. Mais là, le problème, c'est que à chaque fois, on va créer une variable retrofit. Elle va créer une nouvelle instance. C'est pour ça que j'ai créé un objet. Un fichier object, retrofit instance, puisque là, ça sera dans object, ça sera une seule, tout simplement une seule instance. Et je vais aussi améliorer encore le code. Là, je vais enlever ça, je vais enlever le reçoit directement, et je vais ajouter by lazy. Là, comme ça, entre les accolades, je vais mettre l'instance. Donc, je vais mettre comment instancier retrofit. Donc, val retrofit by lazy va recevoir ça. C'est comme si on a dit, c'est pareil, c'est comme si on a dit reçoit ça, mais la différence ici, en utilisant by lazy, c'est-à-dire on va initialiser cette variable-là seulement quand on l'appelle. C'est-à-dire si on ne l'a pas appelée, on ne va pas l'instancier.
Donc, même si on appelle d'autres variables, ou bien d'autres constantes, ou bien d'autres variables de retrofit instance, on ne va pas initialiser la variable retrofit que si on l'appelle, si on l'utilise. Okay? C'est ça la signification de bylazy. Donc, je vais revenir sur cette classe-là pour ajouter quelques autres améliorations de code, mais là, je vais directement aller sur box activity, main activity plutôt. Je vais supprimer tout ça. Parce que ça ne sera pas comme ça. Normalement, là, on va récupérer le résultat retourné par le web service. Donc, je vais commenter ça et je vais créer une variable. Je vais l'appeler book service. Elle va recevoir quoi? Elle va recevoir retrofit instance build book service directement. On n'est pas obligé d'instancier séparément book instance des assistants d'objets. Donc, on n'est pas obligé de l'instancier et on appelle directement build book service qui va nous retourner une instance ou bien qui va retourner directement le service créé. Donc, là, c'est book service. Donc, maintenant, on peut appeler comme ça, books.getBook. Là, c'est un call. Donc, pour l'exécuter, on doit appeler inQueue, comme ça. Et ce inQueue va prendre quoi? Il va prendre un object d'Anonymous Class. Cette Anonymous Class, c'est quoi? C'est le callback. On l'a vu déjà avant. Déjà, vous pouvez voir l'autocomplete. Callback de listBook. C'est un callback de listBook. C'est-à-dire le callback, le retour de l'appel. Ça sera de books. Ça sera une liste de books. Là, on va importer ça. C'est un callback de retrofit 2. Ici, on va trouver qu'il y a encore des erreurs. C'est quoi? On va implémenter les méthodes là. On a deux méthodes. On response, on fail. Donc, si on response, c'est-à-dire si on a un résultat, qu'est-ce qu'on va faire? Sinon, on fail, qu'est-ce qu'on va faire? Là, ce qu'on va faire en fail, on va commencer par ça. C'est le plus simple. On va appeler makeText. On passe en vis. C'est pas vis. Le texte, ça sera erreur. Serveur, voilà, on va juste dire que c'est un serveur. Et là, la durée, c'est make, c'est plutôt length long. Et à la fin, il faut appeler le show. Comme ça. Donc là, c'est quoi le problème? Parce qu'il n'accepte pas this. Pourquoi? Parce que this, dans ce contexte-là, a le référence à object, à ce anonymous class. Donc c'est pas une activité. Donc il faut ajouter arrobase main activity pour préciser qu'on parle de this, qu'on parle de contexte de main activity. Comme ça. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Donc là, maintenant, on response. On va revenir sur ça parce qu'il y a items qui est en rouge. C'est normal parce qu'on l'a commenté. Donc on va revenir sur ça. Donc là, le response. Parce que là, c'est un response de listBook. Le response is successful. Donc si is successful. Donc si on a bien le résultat. Si on a réussi à récupérer le résultat. Donc on aura quelque chose ici dans le response.body. Donc on va récupérer ce response. On va dire dans une variable qu'on va appeler books ou bien même on va l'appeler item. On va continuer comme ça. On va l'appeler items. Et là, ce items va recevoir quoi? Response.body. Donc là, items contient quoi? Contient response.body. Ça peut être nul. Vous pouvez le voir dans l'autocomplete. Il y a un point d'interrogation. C'est-à-dire, il peut être nul en Kotlin. C'est pour ça on va appeler un autre mot-clé. Là, point d'interrogation tout d'abord, le save call là, et on va appeler let. Comme ça, et on va ouvrir un bloc. Pour ne pas avoir un null pointer exception, donc, si c'est pas nul, on va l'exécuter. Si c'est nul, on va pas l'exécuter. Donc, vous pouvez voir déjà le it ici, c'est it de point listbook, sans le point d'interrogation. C'est-à-dire, dans ce bloc-là, il est pas nul. Et ce qu'on va faire là pour la fiche, on va prendre tout ce qu'on avait avant. Là, le BooksAdapter, il va recevoir BooksAdapter du items et le RecyclerView. On va appliquer le Layout Manager et on va affecter à cet adapteur-là le BooksAdapter. Il faut mettre en tête qu'il faut le faire dans le onResponse parce que là, ça sera un thread à part. On n'est pas sûr que à ce niveau-là, si on l'a laissé ici, on n'est pas sûr à ce niveau-là, on a le résultat. Donc, il faut l'ajouter dans le onResponse. Ou bien, si vous le faites dehors, il faut ici appeler on notify dataset change pour rafraîchir la page une fois le résultat récupéré. Rafraîchir plutôt l'adapteur une fois le résultat est récupéré. Maintenant, si on lance comme ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, la première raison, c'est que dans le manifeste, on n'a pas la permission Internet. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous, on va exécuter sur un émulateur. Et ce qu'on a fait ici dans le retrofit instance, c'est qu'on essaye d'appeler localhost. Quand on exécute un émulateur, on n'est pas réellement en train d'exécuter dans localhost, mais plutôt dans un virtual device, dans une machine virtuelle. Donc, pour accéder à localhost, il faut changer le localhost, qui est normalement le localhost 127.0.1, mais
quand on utilise un émulateur, on va utiliser 10.0.2.2. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est si vous utilisez votre téléphone réel, ce ne sera pas ça. Il faut vous regarder votre adresse locale réellement. Il faut se connecter avec votre téléphone sur le même Wi-Fi que votre PC. Il faut taper la commande ipconfig ou bien ifconfig, ça dépend de votre système d'exploitation. Donc ipconfig si vous êtes sur Windows, ifconfig si vous êtes sur Linux ou Mac. Donc vous allez voir l'adresse locale et vous allez la changer par ça. Okay? Il faut aussi que le téléphone et votre PC soient connectés au même réseau. Après, il y a autre chose encore. Là, pour Books, on a Title, Summary Image Writing. Là, si on prend notre résultat, on le met à côté. Donc là, on a besoin aussi d'un ID. Var ID int. Donc, ID, title, summary, il faut que tous les variables qui sont dans le data model là, ils sont écrits de la même façon que le JSON retourné. Sinon, si c'est pas le cas, par exemple, si summary est écrit résumé, par exemple, vous devez ajouter serialized name et vous précisez ici, par exemple, c'est résumé. OK? Donc, si c'est pas le même. Donc, par exemple, là, je peux mettre summary. C'est pas obligatoire si on respecte le même nom. Mais parfois, vous avez par exemple book, par exemple, si c'était comme ça, les variables sont comme ça, mais réellement dans le JSON, c'est toujours écrit de cette façon-là, avec des underscores. Okay? Donc, vous pouvez le préciser dans ces cas-là. Mais pour nous, on ne va pas le faire parce que c'est pareil, on a respecté les mêmes trucs, parce que c'est nous qui avons créé le web service, c'est nous qui avons créé le Kotlin, donc on peut respecter ce qu'on a écrit. Mais ce qu'on n'a pas respecté, c'est le format de l'image. Là, on a une chaîne de caractères, l'URL, et là, on a un int, parce qu'on utilise avant des drawables, des ressources. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un int. Mais maintenant, on va plutôt utiliser des strings. Donc, si on fait comme ça, déjà, on va avoir des erreurs dans Books Adapter. Si on regarde bien ici, on doit sûrement avoir un problème avec le Books Adapter. Vous voyez, déjà le set image resource, ça fonctionne plus. Books.image, ça fonctionne plus parce que là, c'est plus un image resource, c'est un string. Donc, pour cela, on va utiliser une autre librairie qui va nous charger l'URL, on nous charger une image à partir de l'URL. On peut utiliser Picasso. Donc, si vous voulez voir comment utiliser Picasso, on l'a utilisé dans l'application Weather App. Sinon, pour cet exemple-là, je vais utiliser Glide. Donc là, c'est une autre librairie, c'est une alternative à Picasso. Qu'on va pour changer un peu, on va utiliser Glide ici. Ce sont deux librairies qui sont beaucoup utilisées. Donc, je vais l'importer, je vais l'ajouter aussi dans les dépendances. Donc, vous pouvez voir directement dans la documentation de Glide. Vous pouvez juste écrire dans Google, sur Google, Glide Android Library. Vous allez trouver le repo GitHub qui vous dit qu'il faut ajouter ces deux dépendances-là, le Glide et le Glide Compiler pour l'annotation process. On fait un sync now. Donc, une fois la librairie est importée. Maintenant, on va revenir sur notre code et on va utiliser le glide ici. Point. Il faut l'importer de d'abord. Là, alt entrée, import. Après, with. Ici, on doit passer un contexte, on doit passer un view. Là, on est dans le view holder. Donc, on a ici le item view. Donc, on va le passer. Après, on appelle load et là on passe l'URL. L'URL c'est tout simplement book.image. Maintenant l'image c'est plus un ressource et into quoi? Dans l'image view et l'image view c'est image book. Là, c'est ça. Donc on va plus faire ça. Après ce qu'on peut faire c'est de tester le code déjà. Je vous le dis dès maintenant, ça va pas fonctionner. Mais je veux que vous voyez vous-même pour que je puisse vous expliquer pourquoi ça fonctionne pas. Pourtant, on a tout fait, on a corrigé tout ce qu'on doit corriger. On a ajouté la permission Internet, on a ajouté la retrofit instance, la book service, on a tout fait, on a même changé le book, changé l'adapteur, mais ça va pas fonctionner. Là, on n'a rien et maintenant le toast erreur serveur. Donc, ça n'a pas fonctionné. Ça, on le savait. Au moins, moi, je le sais. Pourtant, on a tout configuré. On a tout mis en place. On va voir déjà dans le local qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on a une information? Donc là, je vais choisir plutôt l'émulateur et pas mon téléphone. OK. Donc, on a sur le package celui-là. On va regarder si on a une piste. Donc on n'a pas vraiment beaucoup d'informations dans le 4. On n'a pas de quoi charger. Si on ne sait pas c'est quoi exactement l'erreur, on va se perdre facilement. Donc c'est pour ça qu'on va
améliorer notre retrofit instance. On va ajouter des logs, mais on va ajouter un intercepteur de logs. Tout ce qui se passe dans retrofit, toutes les calls, toutes les erreurs, tout le body, tous les headers qui passent dans la requête, on va le récupérer, on va l'intercepter, on va l'afficher dans le logger. Et pour faire ça, on a besoin d'une library que j'ai déjà ajoutée ici pour gagner un peu de temps. Donc là, elle s'appelle OK HTTP. Donc là, on a besoin d'OK HTTP, on a besoin aussi de Logging Interceptor. Donc ce Logging Interceptor, c'est lui qui va intercepter les requêtes qu'on va exécuter. Il va les intercepter, il va ajouter des logs dans le logcat pour qu'on puisse savoir c'est quoi le problème, qu'est-ce qui se passe et pourquoi ça plante. OK? Donc il faut ajouter ces deux libraries là. Donc OK HTTP logging interceptor, et on va revenir ici sur notre retrofit instance et on va créer une nouvelle val comme ça. Logging reçoit quoi? HTTP logging interceptor, une instance de ça. Après logging, on va définir le level. Nous, on va loguer le body. On va faire HTTP interceptor point level point body. On peut ajouter le header, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Bon, le body, il existe presque toute la requête, tout ce qui se passe dans la requête, on peut le trouver dans le body, donc je vais le laisser comme ça. Et comment ajouter ce login là à Retrofit? Il faut en fait passer par un client. Il faut ajouter un client OK HTTP client, comme ça, client, OK HTTP client, comme ça, point builder, point add interceptor. En fait, c'est dans le client OK HTTP, OK HTTP qu'on va ajouter le intercepteur. OK HTTP interceptor, et on va ajouter ce login. Et à la fin, build. Là, on a notre client, et après, ce qu'on doit faire, c'est de ajouter ça, le client, ajouter le client, point ce client-là qu'on vient de créer. Bien sûr, avec Retrofit, on peut améliorer un peu ça. On peut faire genre apply directement dans l'instance, et level reçoit OK HTTP interceptor.level.body directement. C'est pareil, vous pouvez la laisser sur deux lignes, ou vous pouvez faire apply directement et utiliser l'instance après. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je préfère utiliser toujours les mots-clés que Kotlin me propose. Donc là, on est bon. On va réexécuter l'appli. Ça va pas marcher. Ça va pas dire que ça va marcher. Ça va pas résoudre notre problème. Ça, c'est juste que ça va ajouter de log. Ça va ajouter de stack trace dans le logcat pour qu'on puisse intercepter la requête et pour qu'on puisse identifier le problème aussi. Donc là, j'exécute de nouveau et on va voir. Donc là, notre application s'exécute. On a encore erreur serveur, mais à part ça, maintenant, on a une trace de ce qui s'est passé. Donc là, si vous voyez bien, on a OK HTTP. On voit bien que là, on a essayé d'appeler cette requête-là. Et là, on n'a rien fait. Après, on a essayé d'appeler ça, on a essayé d'appeler notre requête. On a fini, il y avait un HTTP failed. Là, vous voyez là, le OK HTTP client, qu'est-ce qu'il nous a dit? HTTP failed, Java, unknown service exception, clear text, communication to, ça, not permitted by network security. Donc, la communication avec 10.0.2.2, not permitted by network security. Qu'est-ce que c'est le 10.0.2.2? C'est ça, c'est en fait le base URL, là, notre localhost. C'est pas un HTTPS, l'URL n'est pas sécurisé, c'est pas HTTPS, donc on peut pas l'appeler. Donc c'est tout simplement ça. C'est pour ça Retrofit a bloqué l'appel à ce web service-là, qui est notre web service local. Donc on peut corriger ce problème-là. Là, la première solution, c'est d'aller sur Android Manifest ici. Là, je vais utiliser une attribut qui s'appelle uses clear test traffic, comme ça, et true. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais laisser passer toutes les requêtes HTTP ou HTTPS. Donc, je vais laisser même les requêtes ou même les appels à des IP ou bien à des URL qui sont pas sécurisés. Donc là, je vais exécuter. Maintenant, ça doit fonctionner, mais on va encore implémenter une meilleure solution. C'est pas là parce que celle-là, c'est pas la meilleure. Et là, on a notre application qui s'exécute. On récupère les trois livres qu'on a dans la base de données et avec les images. Si on regarde ici, on les compare avec ce qu'on a ici dans le web service, c'est Talk to Strange, c'est les premiers, 0 to 1, après Evelyn Startup. Donc on a bien récupéré tout ce qu'on veut du web service. Et ça passait avec ça. Mais c'est pas la meilleure solution, comme je viens de le dire. Pourquoi? Parce que tout simplement, là, on est en train d'autoriser toutes les requêtes HTTP. On a confiance à notre localhost, mais on n'a pas confiance à tous les web services qui sont pas sécurisés. Donc on ne doit pas laisser passer
les web services non sécurisés. S'il y a quelque chose qui n'est pas sécurisé, on doit la préciser juste le lien de ce web service qu'on veut laisser passer, mais pas tout. On va pas l'ouvrir notre application à toute requête non sécurisée. C'est pour ça on doit spécifier exactement l'URL. On doit dire que c'est seulement 10.0.2.2 et l'adresse IP d'accès à localhost depuis l'émulateur. Pour faire ça, on va aller sur RES et on va créer un Android Resource Directory, un dossier de ressources Android. Ça va s'appeler XML, ok? XML tout simplement. C'est pas raw, c'est pas values, c'est rien, c'est juste XML. Après, on va créer un fichier XML, c'est un XML resource file, et on va l'appeler network security config. Ok, et je vais aller en mode code, et je vais changer tout ce code là, et ça sera pas un preference screen, ça sera ça. Une balise network security config, quels sont les domaines, avec le nom de domaine qu'on doit autoriser, ça sera le 10.0.2.2, on va inclure aussi les subdomaines, le sous-domaine. Comme ça, on autorise le 10.0.2.2. Alors maintenant c'est bon, une fois ça c'est bon, on doit le référencer quelque part, et ce quelque part c'est toujours le manifeste. Là on va dire Android Network Security Config XML @XML Network Security Config. Comme ça on dit à notre application de autoriser seulement cette IP là ou bien cette URL là. Ok, on va laisser passer un URL qui n'est pas sécurisé, mais c'est seulement celui là. Pas tous les URL qui sont pas sécurisés. On va réexécuter l'application, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, notre application va redémarrer encore une fois. Une fois redémarrée, on doit avoir le même résultat. Faut pas voir un résultat différent, mais là, on a autorisé seulement le 10.0.2.2. Donc là, ça fonctionne, on peut récupérer, on n'a rien. Bon, si on regarde le log 4, on n'a pas d'erreur. On a juste ici, on a réponse OK, c'est-à-dire ça passe, la requête a bien passé dans 761 millisecondes, la date de la requête, etc., le serveur qu'on a appelé avec un PHP, un Apache avec PHP, etc., il a le résultat, vous voyez là, le JSON qu'on a demandé. On n'est même pas obligé de faire un println pour le voir. Donc, le HTTP logger qu'on a ajouté, il le fait pour nous. Donc, j'espère que ça a été clair. Bon, on va continuer cette appli là. On va ajouter quelques autres astuces dans les vidéos suivantes. Mais là, je veux que cette vidéo là soit juste pour l'intégration de Retrofit ou bien de l'appel HTTP à notre web service. Donc là, dans la vidéo suivante, on va voir comment ajouter un filtre sans besoin d'appuyer sur ce bouton à chaque fois. Juste en tapant quelque chose, on ajoute un listener sur le changement de texte et on appelle directement le web service pour filtrer le résultat ou bien on filtre directement localement le résultat. Donc tout ça, on va le faire dans les vidéos suivantes. Donc n'hésitez pas de s'abonner à la chaîne pour ne pas rater les vidéos suivantes et d'activer la cloche aussi et de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et la partager avec vos amis si vous voyez que le contenu mérite d'être partagé.